J'en peux plus de la Belgique. J'en peux plus. Du jus avec des frites. Arthur, nous avons du sort belge à partir d'aujourd'hui. Bienvenue les Français. Les bons vivants, de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Celle-là est meilleure pour le rush. L'air frais de Belgique. Ouh, Arthur, t'es en forme. On fait de la route. Nous sommes en Belgique, on est ravis d'être sur ce territoire de Mont-Vivant. On va vous montrer que les Belges savent aussi très bien manger et faire la fête. Ici, en Belgique, nous aimons faire les petits déjeuners à la truffe. C'est une tradition. Ça va être truffe royale, tu sais. Tu vas voir, tu vas la voir. Royale, royale. J'explique pourquoi je suis embêté, c'est que j'ai perdu mon béret à la chasse ou je ne sais où. Et là du coup j'ai un nouveau béret qui n'est pas encore formé. Ici je ne connaissais pas cette race, c'est MLB, mouton laitier belge. Plus grand élevage d'Europe, il n'y en a plus, ça disparaît. Pour nous la carture c'est vraiment une découverte. Il y a un vrai personnage, hein. Un passionné, c'est génial. On écoute. L'homme qui murmurait à l'oreille des brebis. Bien, je m'appelle Vincent. Je suis vegan. Ouh, elle a peur. Elle se méfie. Elle m'a vu sur Instagram, elle. Il y a ce fromage belge, il est presque aussi bon que le fromage français. Ce fromage français qu'on a goûté, il était complètement belge. On est où là? On est au chariot fondu. Donc du coup on doit charger un peu de pinard. Du quoi? Je sais pas ce que c'est. Du pinard c'est quoi? On va chercher le pain. En tout cas notre pain c'est un pain gris cuit sur pierre qui vient du moulin de Vincimont pour accompagner la fondue fromagère de chez Pétain. Ça c'est un petit morceau mais. C'est fabuleux, c'est des araignées, des araignées de porc. Ça c'est terrible. Ils supportent pas la pression. Ou alors ils sont plus malins que nous, ils reprennent des forces pour nous battre sur les pénalties. Quand j'entends le bruit là, je pense qu'on va goûter du très grand pain belge. Bon, on sort de table. Et pourquoi Vincimont? Ouais, mais il n'y a pas d'œuvre pour la paix. Bonjour, j'ai quelque chose, c'est la première fois que je fais une boulangerie avec carrément le témoignage en fait. Ouais. Meunier boulanger. Ouais. Meunier tute, ton moulin va trop vite. C'est ce que tout le monde pense, mais on n'en parle pas beaucoup. Alors, c'est les costauds, ça travaille dur. À l'aventure. Je suis un peu enfariné. Cédric, Cédric a fait ses couteaux, ils sont beaux, c'est magnifique. On va les aiguiser et après on pourra couper de la viande. On a vu qu'il a enlevé le plat qui est au milieu. Ouais, on y est pas encore. Les amis, on est arrivés. Dans un endroit très particulier, une ruine d'un château. Et il paraît qu'il faut suivre les bougies et qu'au bout des bougies, il y a un petit apéro. C'est un saucisson. C'est un saucisson de château. Je suis allé voir les vins là en discretos parce qu'apparemment on ne pouvait pas voir les vins, mais je suis quand même allé voir les bouteilles. Parce qu'il y a Jérémy qui gère les vins qui est venu, un sommelier du coin là. De Bruxelles ou je sais pas quoi, enfin un bon gars du coin, un bon vivant comme le pinard. Je vois qu'il y a des bouteilles qui sont un peu poussiéreuses, c'est très bon signe, ça annonce une très belle soirée. Bon, ce soir on va manger plein de bonnes choses. On va avoir des côtes de porc, des côtes de bœuf, belges et autres, maturées. Et alors en accompagnement, un bon petit stoum pour poireaux et une traditionnelle carbonade à la flamande. Ça s'appelle un barbecue de fortune. Après 48 heures en Belgique, on va faire profaner les légumes. Nous sommes comme le Dieu, disciple de Bacchus et du Wagon. Nous ne craignons pas qu'il en la nuit tout vienne les flamands et les gueux.
Donc là, une petite pause syndicale. On découvre avec Arthur, Fritz René. Ben, la maison existe depuis 1932 et nous sommes ici voilà, de la troisième génération. Voilà. Et on continue encore. La spécialité, tout est fait maison. Tout est fait maison. Je pense que c'est la spécialité de la maison. Donc qui est ce quoi, c'est typique d'ici? Ah oui, une institution bruxelloise. Ah ouais, une institution à Bruxelles. Et surtout, on élimine l'effort qu'on a fait ce matin. Ce matin, on a monté 3250 marches à Waterloo. Et si tu veux, j'ai perdu 2 kilos tous les 3 mètres, je crois. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis assis sur une chaise en bois. Mais pas n'importe quelle chaise en bois. Tadam ! Et oui. De la boue, de la boue, de la boue. Et la peau du ventre bien tendue, comme disait l'autre. La bière qu'on fabrique ici est une bière qu'on appelle le lambic. C'est une bière typiquement bruxelloise. C'est une bière très particulière au niveau des fermentations et c'est une bière mythique. Je pense avoir soif, dis donc. Santé.